Conscient du rôle majeur que joue la jeunesse congolaise en tant que levier de changement et de développement à travers une politique nationale de cette tranche de la population, en mettant l'accent sur sa participation aux efforts de développement de la République démocratique du Congo en général et de la province de la Tchopo en particulier, lors de son passage à Kisangani, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'est entretenu et a demandé au gouverneur de cette province, Jean Ilongo Tokolé, de faire de la jeunesse une priorité de son gouvernement en soutenant les efforts du gouvernement national par un encadrement socio-professionnel des jeunes. De la parole à l'acte, le gouvernement congolais, à travers la vice-primature de l'intérieur et la sécurité, a porté son choix sur Jean-Marie Lukulasi, fort de son expérience dans ces domaines, par des actions concrètes. Après la ville-province de Kinshasa, c'est le tour de la province de la Tchopo qui bénéficiera désormais de l'apport de la Fondation Lukulasi et G24 ASBL dans les cadres de l'encadrement socio-professionnel des jeunes. C'est dans ce cadre que Jean-Marie Lukulasi, accompagné d'une forte délégation de son directeur de cabinet, a effectué une mission sur terrain. Après des échanges fructueux, quelques minutes ont suffi pour que le numéro 1 de cette province prenne acte de la mission majeure de ses hôtes et a rapidement réagi en félicitant le porteur du projet, M. Jean-Marie Lukulasi, et désormais, c'est en partenaire qu'ils vont travailler main dans la main. De retour à Kinshasa, pas de répit, c'est avec le jeune Kuluna du Kiasavubu, les membres de la fondation Lukulasi et le G24 ASBL, qu'il a une fois de plus passé un coup de balai par-ci, ramassage par-là, le tronçon Gambela rond-point Kimpwanza, qui a changé de visage. À la fin de cette activité, ces jeunes se sont vus remettre des cartes de membres afin d'être rémunérés très prochainement. Tout ça là, partenariat avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le professeur Evariste Bouchard. Et je remercie Bandimi de nous avoir fait ce tantôt mais qu'on a encadré parce que c'est dans l'opération du Kofi, dans l'opération où le professeur Evariste Bouchard s'est encadré par les jeunes. Donc on va tenir la pilote en haut. Donc il y a un autre salon, on a commis la calame, on a 100 jeunes, pour 150 euros. La calame, on a commis une million sur tout, mais on a fait ça pour nous. Parce que si vous avez un choix, soit l'opération du Kofi, tout ça va nous tout être. Tout ça va nous faire un salon, tout ça va nous faire un encadrement. Nous sommes à l'aise. Il y a un problème, il y a drogue, il faut des intoxiqués, il faut amener des choses bien pour la banque, pour pas tout ça. Il y a des choses pour la banque. Parce que nous avons 24 communes. Les communes sont surtout pour l'un et l'autre. Donc nous avons contre le sida, nous avons contre le sida, nous avons contre la malaria. Nous avons contre le sida. Maintenant, c'est un cas que ma maman a indiqué à madame, pour que nous avons dit 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 que nous avons G24 est un groupe de 24 communes. Signification de la vie. Bits na biso za nini. Pour sangisa, ba kuluna nyonso. Ya mikolo ya mikie kategori nyonso pona ko pesa bango misala. Pour lelo, batu bazo sala kuluna poli ni manka travail, manka ba emploi, yango za ko tinda batu na mabe. Yango, Monsieur Jean-Marie Lukulasi avec ensemble de G24 a décidé. Désormais, le gouvernement congolais peut compter sur Jean-Marie Lukulasi, un digne fils fort de son expérience au service de sa nation et de la jeunesse congolaise.